Allez, on va voir ensemble les différentes alternatives de style de combat jusqu'à point de fusion. Donc on commence par style de combat qui est certainement la série la moins populaire de ces quatre-là. Mais elle propose quand même de magnifiques cartes alternatives, dont la Tyrannosif et la Pangoléon, qui sont pour moi mes deux préférés, hein, tout simplement. Des cartes plutôt accessibles. On continue. Après, on a eu droit à Reine de Glace. Reine de Glace, je la positionnerai en deuxième position. Il y a énormément de belles cartes à l'intérieur, dont ce Zeraora V, évidemment mythique, mais vraiment mythique de la série, mais pas que. Tu retrouves les oiseaux légendaires avec Articodin, et tu verras qu'ils sont tous les trois mis en scénographie vraiment très jolie, Elector, et enfin le Sulfura, qui est, je crois bien, la plus populaire des trois alternatives. On n'a pas que ça, on a du Roigada, du l'Euphorie, ce Boreas qui est très très sympa aussi. C'est clair, ils ont mis le paquet hein, sur Reine de Glace. Tu le sais, hein, la difficulté de Reine de Glace, c'est le taux de drop, hein, tout comme ces quatre séries d'ailleurs. Et après, tu retrouves les Silver Rois, que ce soit le Cavalier du Froid et de l'Effroi, mais qui ont beaucoup beaucoup décoté. On arrive à Evo Céleste, la série cultissime de épée et bouclier. Là aussi, énormément, je crois qu'il y en a pas moins de 17 cartes alternatives où tu as toutes les déclinaisons des évolutions en version V, mais aussi en version VMAX. Les V restent plutôt raisonnables. Le collet Mastoc est juste incroyable. Petite carte pas trop chère et pourtant ultra bien réussie. On a un Charmina aussi qui est pas très très cher. Le Noctali V évidemment cote une blinde, tout comme d'ailleurs le Dracolos V qui est plutôt très réussi. On retrouve aussi Rayquaza en version V et VMAX. Alors Bruyverne, pour moi, c'est la déception. J'aime absolument pas cette carte là. Un petit Duralugon V, autant te dire que quand tu drops cette carte-là, ça fait pas plaisir. On arrive avec les VMAX, avec le Philali, le Givrali, de très très belles cartes, évidemment. Nymphali, de toute beauté. Et enfin, la légendaire Noctali VMAX, magnifique, accompagnée de Rayquaza VMAX. Et autant te dire que quand tu drops le Duralugon, ça fait plutôt mal. Et enfin, la dernière série, Point de Fusion. D'ailleurs, les displays sont passés en mini il n'y a pas très longtemps. On note, alors là aussi c'est carton plein quand même, le Celebi de toute beauté, un Mew V. La déception évidemment de la série, c'est le Dunakonda V qui fait partie de la, je crois que c'est l'alternative la moins chère du game. On a un Genesect qui fait du hip-hop. Rongrigou est plutôt sympathique, les Argus VMAX, et on ira chercher les belles VMAX de la série, le Mew VMAX, mais surtout le Mentali, et enfin Ectoplasma VMAX. Moi, c'est ma préférée. Je surkiffe ce Ectoplasma. Voilà, petite review des différentes cartes alternatives.